Il y a trois éléments essentiels pour la bonne mise en œuvre de ce projet de détention préventive abusive. D'abord, le cadre de la loi. Ensuite, les ressources financières. Et enfin, les ressources humaines. Et c'est à travers cet aspect financier que l'OIF nous apporte son appui à travers la convention de partenariat que nous venons de signer et qui est donc fondamentale pour permettre de mener à bien et à terme le projet. C'est un financement de 60 millions d'ariars ou de 15 000 euros. Au nom du respect des droits de l'homme, pour que les femmes, les hommes, les jeunes et les enfants ne se sentent pas bafoués dans leurs droits, avilis dans leur dignité et soient respectés dans leur liberté. Aujourd'hui, nous avons un devoir de soutien à tous ceux qui portent ces aspirations à la liberté et à la dignité, et vous en faites partie, Madame la Présidente. Le combat pour la dignité et les libertés, c'est aussi répondre aux besoins de justice des victimes durement éprouvées. Et je pense en particulier aux jeunes et aux femmes. Il en va de notre futur et de la paix.